J'avais eu l'infocyte.fr au moment où moi j'étais malade. Franchement, ça m'aurait beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un site comme l'infocyte, ne serait-ce que pour comprendre sa maladie. Et peut-être pour mieux l'aborder. Même certainement pour mieux l'aborder, pour avoir encore plus de chances au niveau des traitements. Et aborder la maladie d'une manière beaucoup plus sereine. L'utilité de l'infocyte.fr pour le patient et surtout pour l'expliquer à ses proches, c'est que c'est une manière très didactique de comprendre sa maladie, de pouvoir partager, parfois dans certains cas aussi de dédramatiser ou de comprendre certaines choses comme les essais cliniques, parce que voilà, il n'y a pas toujours de bonnes informations ou sur internet ou parfois dans certaines brochures, donc il est important aussi d'avoir un support qui soit fiable, sérieux et qui soit surtout abordable. Ce qui existe au niveau des sites internet sont souvent des sites classiques de médecine. Bon, ce qui est l'apport de l'infocyte, c'est quand même dédié au lymphome d'abord. C'est fait par une association de patients donc qui parlent le même langage que nous. Et en même temps, c'est aussi validé et co-composé avec le LISA qui est le groupe coopérateur d'hématologues sur les lymphomes. Les informations qu'on devrait reprendre, je pense, sur l'infocyte, c'est beaucoup de témoignages patients, mais aussi des témoignages de soignants, pas seulement des médecins. Il peut y avoir aussi des infirmiers, d'avoir des aides-soignantes, etc., qui pourraient ramener aussi des témoignages parce qu'ils connaissent le patient, ils connaissent aussi la maladie et le lien se fait aussi avec toutes ces personnes-là. L'infocyte.fr, c'est une réponse à chacune de mes questions, à n'importe quel moment et n'importe où.